Ah, j'ai enfin reçu mes outils. Je peux enfin continuer de réparer mon iPhone XR. Je t'accélère tout ça parce que, comme tu peux voir, c'est super long. Faut être super minutieux. Non, n'essaye pas d'enlever la batterie sans la chauffer, voyons. Pour plus de confort, je t'enlève le bruit. Si t'as pas de sèche-cheveux, prends un décapeur. Si t'as pas de décapeur, prends un sèche-cheveux. Là, tu vois que tu galères, bah, change d'outil tout simplement. Prends une plus grosse spatule. Ah, ça vient plus facilement. La nouvelle batterie. T'enlèves le film de la colle. Et tu la places correctement. Ouais, la nappe, c'est galère. Le nouvel écran. N'oublie pas de remettre la carte des capteurs et de l'appareil photo sur le nouvel écran. On remet toutes les autres nappes. On referme la bête. On le branche, sinon ça marchera pas. Et tu viens d'économiser pas mal d'argent. Ça, c'est pour pas que tu vois le code. Et on referme le tout avec les vis. Oui, ces deux dernières vis-là. Satisfaction. Je t'emmène sur mon ordi, parce qu'en même temps, je vais enlever iOS 16 bêta, c'est de la merde. Touche Alt en même temps, et tu viens chercher ton fichier téléchargé. Oh là, il s'est passé au moins 20 minutes.